Bonjour et bienvenue à tout le monde. Bienvenue au concert de Noël de la Maison Marie-Élisabeth qu'on a appelé cette année « Noël, c'est l'amour ». Et pour vous parler d'amour, ou si vous préférez, pour vous chanter l'amour, on a fait affaire avec des spécialistes. Êtes-vous surpris? Et nos spécialistes, ce sont les enfants. Parce que les enfants, on a décrété que c'était les meilleurs pour nous parler d'amour et pour aussi nous mettre dans la magie de Noël. Alors, c'est notre surprise de cette année. On accueille les chanteurs, les petits chanteurs de l'école de Sainte-Agnès, du Grand Pavois. Alors, on est très fiers de ça. Et je suis certaine qu'il y a des gens dans la salle, des familles, des parents, des amis qui sont très fiers également. Et vous avez raison de l'être. Alors, c'est toujours agréable de vous accueillir annuellement dans la magnifique chapelle des Sœurs du Saint-Rosaire, qui a une forme toute particulière avec, je pense, 12 côtés. C'est une église en marbre rose. Et vous allez le constater bientôt, la sonorité est absolument exceptionnelle. Alors, je profite de l'occasion pour remercier très sincèrement et très chaleureusement les Sœurs du Saint-Rosaire qui nous permettent de tenir annuellement notre concert ici dans leur chapelle. C'est un privilège pour nous d'être ici. Alors, merci du fond du cœur. Donc, le concert de Noël fait partie des différentes activités qu'on organise tout au long de l'année. Et là, peut-être que vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on a besoin de ramasser des sous. Bien, les sous qu'on ramasse, ça nous aide à assurer la qualité, la gratuité et la pérennité de nos soins et services. Et nos soins et services comprennent depuis le 1er novembre de cette année l'aide médicale à mourir. Alors, c'est un nouveau soin qui s'ajoute à la brochette des soins qu'on a déjà pour les personnes qui en ont besoin. Et ce qu'on offre aussi à nos patients, c'est une ambiance, une atmosphère calme et sereine. Un lieu qui ressemble le plus possible à une maison familiale avec la cuisine, avec la musique, avec le jardin également qui devient une véritable extension de notre maison là, au cours de l'été. Je vais vous présenter maintenant quelques statistiques. Depuis maintenant 13 ans, on accueille des personnes en fin de vie. Depuis les débuts, donc depuis mars 2010, on a accueilli 1600 patients et tout près de 16 000 personnes qui ont été touchées directement, des membres de la famille et amis de ces patients-là, et ce, tout à fait gratuitement. Chaque année, le ministère de la Santé et des Services sociaux nous donne 770 000. C'est un montant qui est important, mais c'est un montant qui est insuffisant pour assurer nos opérations. Alors, c'est la raison pour laquelle, annuellement, on doit recueillir des sous pour aller chercher environ 1 million dans notre communauté. Et grâce à votre générosité, grâce à la générosité des Rimouskois, bien, on arrive à relever ce défi-là à chaque année, le défi de recueillir autant d'argent. Nos soins et services sont gratuits, mais ils ont un coût. Donc, on a calculé récemment que ça coûte 550 $ par jour par patient pour pouvoir offrir nos soins et services. Alors, on vous a remis à l'entrée des enveloppes. Vous pouvez mettre des sous dans cette enveloppe-là. Nos bénévoles vont les recueillir à votre sortie. L'entrée est gratuite, mais on suggère un don de 20 ou 25 $ ou plus si vous avez envie. Et à ce moment-là, c'est une façon de contribuer très directement et concrètement à la mission de la Maison Marie-Élisabeth. Si vous n'avez pas d'argent, ce n'est pas un problème. Vous pourrez faire un don en ligne une fois de retour chez vous cet après-midi sur notre site web au www.maisonmarieelisabeth.ca pour Canada ou passer directement à la Maison Marie-Élisabeth au 76 rue Saint-Germain, c'est tout près de la rue UP, sur la deuxième rue, hein? 76 deuxième rue. Votre générosité nous permet d'être généreux à notre tour envers les patients et envers les familles. Et avant de terminer, j'aimerais remercier chaleureusement tous les artistes qui vont contribuer au concert de cet après-midi. Le quatuor vocal Boréal qui s'occupe également de la logistique et tout particulièrement M. Gilles Poirier qui est assis là, mais je viens de voir. Ah, il est là, il salue de la main. Qui participe à la logistique, à l'organisation du concert. Merci à tous les commanditaires et merci à vous d'être là pour nous soutenir. C'est très apprécié.
votre présence année après année. Jusqu'à l'angle.
chantons Noël.
Je m'en revois mes joies d'enfant.
Cette nuit qui lui vient en sauveur.
toi prends ta flûte, Robin. Au son de ces instruments, tu veux lui relire, patapatapan. Au son de ces instruments, nous dirons Noël gaiement. C'était la mode autrefois de louer le roi des rois. C'était la mode autrefois de louer le roi des rois. Au son de ces instruments, relu, relu, patapatapan. Au son de ces instruments, il nous faut en faire autant. Ce jour, le diable est vaincu, rendons-en grâce à Jésus. Ce jour, le diable est vaincu, rendons-en grâce à Jésus. Au son de ces instruments, tu relu, relu, patapatapan. Au son de ces instruments, faisons la nique à Satan. L'homme et Dieu sont plus d'accord que la flûte et le tambour. L'homme et Dieu sont plus d'accord que la flûte et le Au son de ces instruments, tu relu, relu, patapatapan. Au son de ces instruments, chantons et dansons gaiement. Si vous voyagez un le bouquet de fleurs des champs envole l'appartement. Que c'est charmant chez nos parents, que ça sent bon dans nos vieilles maisons. Si tout cœur vous serez rentré, il faudra vous dégrayer. On vous garde pour le souper, car ce soir y'a que de veiller. On vit de la chambre des garçons, roule le tapis du salon. Heureux père qui veut bouffer, dans les invités. Les voisins y arrivent. En montant au lait couché, cinq paris on est tassé. Quand on est bien endormi, on ferme la porte sans bruit. On descend le cœur joyeux en entendant les violonneux. Ah, que c'est gai dans nos veillées, que ça sent bon dans nos vieilles maisons. Pour ceux qui prennent un petit coup, papa sort son caribou. Quand on est bien réchauffé, on s'invite pour danser. Si Jean avec Joséphine, le grand Joe et Caroline, Alvin, Alvin, Napoléon, puis le maître de la maison. Les violons sont accordés, les musiciens tapent du pied. C'est les hymnes qui vont coller, prenez celle de la veillée. Swing la slave sur planche et là, les gigues sont un peu là. Thérèse qui est étouffée, elle a son corset. Cochon, des tourtières et du jambon. Pour dessert, y'a sur la table notre bon sirop d'érable. Et avec la crème d'habitant, des ceintures changent de camp. Après l'avoir trop mangé, on peut la belle souffler. Des histoires, on va compter, rire, ça fait digérer. Déjà 5 heures du matin, la veillée tire à sa fin. On réveille les enfants, on s'en dit au revoir en voyant. Au Canada, ça se passe comme ça.
city sidewalks, busy sidewalks, dressed in holiday style. In the air there's a feeling of Christmas. Children laughing and people passing, meeting smile after smile, and on every street corner you stop lights blink a bright red and green as the shoppers rushed home with their treasures. Hear the snow crunch, see the kids punch. This is Santa's big scene, and above all this bustle, you'll hear silver bells. Silver bells, silver bells, it's Christmas time in the city. Ring-a-ling, ring-a-ling, hear them ring.
Cette émission d'accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.